c'est l'origine de tout. Ton père et cette putée Menendez. Menendez veut se venger, même si ça prend des années. Menendez, à l'époque, c'était un gros poisson dans une petite mare. Il se faisait du pognon en dirigeant un cartel de drogue au Nicaragua. Il en avait hérité. Quand la CIA a buté son père, le vieux cyclope a une dent contre l'Amérique. Pendant qu'on fait les cons au Moyen-Orient, les Russes et les Chinois font copain-copain. Mais les politiciens, ils veulent nous faire croire que c'est des histoires d'idéologie. Un beau tas de conneries. Passe ton téléphone. Minerai de terres rares. On peut plus se passer de ces saloperies. Et qui contrôle tout ça? La Chine. Alors pendant que nos entreprises lèchent les bottes de la Chine... Le mystérieux réseau social Cordis Dié organise des mouvements de protestation à la fois en Iran et en Corée du Nord. Toujours caché dans l'ombre, qui est vraiment le leader de Cordis Dié? Il se fait seulement appeler Ulysse. Ulysse, mon cul. C'est cet enfoiré de Menendez. Du con. Je l'ai dit au JSOC, mais ils avaient pas le temps. La course au drone a commencé. Sérieux? Vous comptez baser les fondations d'une armée tout entière sur un minerai qui est totalement contrôlé par la Chine? Je veux à boire, du con. Va me chercher un soda dans le frigo du personnel. Je veux pas de ces merdes sans sucre. Le premier ministre chinois crie au scandale après que Cordis Dié a divulgué un mémo confidentiel rattachant la cyberattaque à la Maison Blanche. C'est vrai que le gouvernement américain a fait de sacrées saloperies. Mais cette fois, c'est pas lui. Sauf que personne veut le croire. Alors il bloque le réseau de Cordis Dié. Deux jours plus tard, le directeur du FBI est brûlé vif. Et maintenant, il y a 1 milliard de gens qui croient que Raoul Menendez est le sauveur. Et vous savez quoi? Il se plante. Vous avez intérêt à le liquider vite fait. Parce que ça sent très bien. Merde, regardez ça! Menendez s'est carrément monté une véritable armée privée. Des Cubains, que des pros, avec du matos dernier cri. Combien de partisans a Cordis Dié maintenant? 1 milliard de personnes? Plutôt 2, qui croiront jamais que leur leader est un terroriste. Pour eux, Menendez est le sauveur. Eh ben moi j'en connais qui vont être sacrément déçus. Bon, il est temps d'aller voir ce que Menendez planque là-dessous. T'es prêt, Harper? Garde de l'élan quand tu te balances! Je veux pas me retrouver coincé! La surface est irrégulière! Appuie bien fort avec tes dents! On est bien parti! Prêt? Ok, mon pote! À toi! Encore une fois! Allez! Ouais, ça va. Grâce à toi. Quasiment. Il devrait y avoir une poignée de soldats. Les doigts dans le nez. Ne sois pas stupide. Il ne faut pas sous-estimer Raoul Menendez. Pas comme ses partisans. Et ça veut dire quoi, Cordis Dié, vous savez? C'est du latin. Jour du cœur ou un truc comme ça. Ça fait très noble comme nom. C'est ce que Menendez veut faire croire à ses partisans. Crois-moi. Ça l'est pas. Crosby, à toi.
Ok. En route, ma poule. Là, le passage dans la montagne. J'ouvre mon parachute. J'ouvre mon parachute. Ça va? Ça va. Salazar, Crosby, vous couvrez la gauche? Affirmatif, on attend le signal. Kraken, ici Harper. Répondez. L'ennemi se prépare à abandonner le secteur. Attendons les ordres. On a besoin d'infos concrètes sur leur capacité. Permission d'engager. Section, tu vois ce que je vois? Ouais. Avancez quand je l'aurai abattu. On peut griller leur système avec une grenade IEM. Devant, le drone décolle! Il faut pas le laisser s'envoler! Salazar, descends-le! Reçu! Section, pirate du système d'armement de l'hélico à terre! Je l'ai eu! On va prendre ces enfoirés! Ok, on peut y aller! Pas d'entraide.
C'est bon, il se replie. Chose à voir sous nos pieds. Kraken, ici section. Installation de surface sécurisée. Bon, on va aller examiner la structure secondaire. Je place des charges. Bien joué. Enculé. Tourelle détruite. Il l'a bien eu, section. Attention, l'inondation a dû affaiblir la structure. Tard pour faire demi-tour, hein? Bordel de merde. Regardez-moi ça. Ce qu'on a vu dehors, c'était qu'une façade. Les murs sont épais de plusieurs mètres. On va perdre le contact. Appelle Briggs, dis-lui qu'on va voir. Kraken, ici Harper. La présence d'installations sous le temple est confirmée. Envoyez immédiatement une unité de nettoyage et de confinement à cette position. Attention, on n'aura plus de signal une fois qu'on sera à l'intérieur. Bien reçu. Une équipe terrestre va être déployée sur le champ. Je vous tiens au courant. Salazar, ouvre-moi ça. Les systèmes optiques de l'ennemi. Faut qu'on les fasse analyser par nos techniciens. Tu devrais mettre ta combi, ils te verront à peine. Ok, suivez-moi. Fiche de pute ! Ils ont un ALC ! Il est blindé à l'avant ! Dispersion ! Nettoyez la zone ! Dispersion! Nettoyez la zone! Ils ont pas l'air contents de nous voir. Come on.
percer les réservoirs d'azote. Bonne idée, Salazar. Ça pète facilement, ce truc. C'est bon. C'est un système de fabrication 3D. Pièces d'armes, protection. Menendez se prépare à la guerre, ça c'est clair. Woods nous a dit que Menendez a amassé une fortune au fil des ans. Il a dû l'investir dans l'armement. Il y a quelqu'un. Ne me faites pas de mal! Allez, sortez de là! Ce labo a des liens avec un terroriste. Dites-nous tout ou vous le regretterez. Je m'appelle Eric Brenner. Je suis magnétométriste. Hein? Pourquoi Menendez s'intéresse à vous? Je suis là pour travailler sur le Stellarium. C'est un nouveau minerai de terre rare qui va rendre toutes nos puces électroniques actuelles obsolètes. Ils arrivent. Faites-moi sortir d'ici en vie et je vous dirai tout. À terre, bordel! À terre! Récupérez ces boucliers! On va s'abriter avec! Putain, ils plaisantent pas! Par ici, le mécanisme d'ouverture nécessite deux opérateurs. Quand vous voulez. Tu t'en occupes, section. Suivez-moi! Intrication quantique.
Ce dispositif seul est plus puissant que l'ensemble de vos infrastructures militaires. J'ai entendu dire que Menendez comptait s'en servir pour orchestrer une cyberattaque de grande ampleur. J'ai entendu plusieurs fois le mot de Karma. Ça doit être le nom de cette cyberarme. Si Menendez utilise un worm de Cellarium pour lancer une attaque, alors personne ne sera en mesure de l'arrêter. Absolument personne. Harper, vérifie où en sont les renforts. Derrière nous, on a de la compagnie. Kraken, ici Harper, il faut qu'on sache quand l'équipe d'extraction doit arriver. Position défensive. Kraken. Eh merde, pas de réponse. Il faut qu'on sorte là, avec ou sans renfort. C'est pas encore fini. Estoy moviendo. Se están moviendo a través de los laboratorios. Section, votre équipe peut se replier. C'est Briggs. Doucement! C'est l'équipe d'extraction! Ah, ça fait plaisir de vous voir. Je crois qu'on peut dire que la mission est accomplie. Amiral Briggs, content de vous voir, chef. Moi aussi, section. Je sais pas ce que Menendez prépare, mais le Cellarium en est la clé. On a enfin pris l'avantage sur cet enfoiré. C'est qu'un pauvre type, amiral. Il veut nous faire croire qu'il est supérieur, mais c'est rien d'autre qu'un pauvre type seul et pitoyable au possible.